Vous voulez vraiment parler français couramment? Eh bien, pour ce faire, vous devez utiliser des mots et des expressions que nous utilisons vraiment dans la vie réelle. Et c'est exactement le but de cette vidéo. Apprendre les mots et les expressions du français que nous utilisons vraiment. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Nous allons donc regarder cette première situation. Avec ces deux jeunes femmes, nous allons voir comment moi, en tant que locuteur natif français, je décrirai cette situation. Tout d'abord, le mot qui me vient à l'esprit, c'est « fiable ». Peux-tu prononcer ce mot ? « Fiable ». Excellent. Mais quel est le sens de « fiable » ? En fait, une relation fiable ou une personne fiable signifie une personne en qui on peut avoir confiance, digne de confiance. Donc, quand je regarde ces deux femmes, je vois que l'une s'appuie sur l'autre et je pense « Waouh, elle lui fait vraiment confiance, elle peut vraiment compter sur elle ». Et dans votre vie, peut-être que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, quelqu'un qui est toujours là pour vous, alors vous pouvez dire que cette personne, cet ami, père ou mère, ou sœur ou frère, ils sont vraiment fiables. Logique? Ok. Alors maintenant, regardons une autre phrase d'exemple ensemble. Son patron a dit qu'elle était très fiable. On voit ici que ce mot peut aussi être utilisé dans l'environnement professionnel. Et en fait, même avec des objets, par exemple, « ma voiture est fiable » veut dire que je peux compter sur cette voiture. Très bien. Maintenant, passons à la prochaine photo. Regardez. Je remarque que cette femme au premier plan a un très grand sourire et le mot qui me vient à l'esprit, c'est « exubérant ». Je dirais « exubérante ». Peux-tu répéter avec moi « exubérante » ? Bien. Mais alors, que signifie ce mot « exubérant » ? En fait, cela se dit pour une personne ou un sentiment qui se manifeste sans retenue, en abondance, souvent de manière excessive. Alors, attention, la connotation est un peu négative en français, souvent. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage, un individu exubérant ? Sûrement. Eh bien, maintenant, vous pouvez qualifier son comportement d'exubérant. Vous pouvez dire, par exemple, « il ou elle a une personnalité tellement exubérante ». Bien, maintenant, continuez à faire attention au vocabulaire de cette vidéo parce que nous avons un quiz qui arrive bientôt. Mais maintenant, voyons cette photo. Quand je vois cette jeune femme, j'ai l'impression qu'elle est un peu réservée. Peux-tu répéter ce mot « réservé » ? Excellent. Ce mot « réservé » est important. Il s'utilise pour une personne timide ou discrète, qui se retient en parole et en action. C'est en quelque sorte opposé au mot « exubérant » ou « extraverti ». Parce qu'un extraverti, au contraire, aime parler aux gens nouveaux. Mais une personne réservée se retient un peu, ne parle pas autant aux autres. Elle est juste un peu plus silencieuse en présence de grands groupes de personnes. Comme sur la photo, vous pouvez voir que la femme semble un peu timide, un peu réservée. Vous connaissez sans doute quelqu'un de réservé. Un de mes amis les plus proches est très réservé. Donc, quand on est en groupe, en général, il se tait, il reste en retrait. Vous connaissez maintenant le mot « réservé ». Et ce mot peut aussi être utilisé pour les animaux. Avez-vous un animal de compagnie? Un chien ou un chat? Il vous aime, mais quand d'autres personnes viennent, le chien, par exemple, reste en retrait, un peu timide. Il n'aime pas parler ou jouer avec les autres. Donc, dans ce cas, vous pouvez dire « mon chien est un peu réservé ». Logique? Bien. Donc, nous avons déjà accumulé trois mots. Fiable. Deuxièmement, exubérant. Trois, réservé. Maintenant, regardons cette image. Je pense immédiatement à l'expression « à la vie, à la mort ».
Pourquoi je dis ça? Tu dois connaître cette phrase qui est utilisée pour exprimer une relation solide, d'une extrême fidélité, d'une extrême loyauté. Quand vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez vraiment beaucoup, alors vous pouvez dire « à la vie, à la mort » pour réaffirmer votre engagement. Par exemple, « entre nous, c'est à la vie, à la mort ». Ou, dans un contexte plus romantique, « je suis à toi, à la vie, à la mort ». Très bien, on continue. Maintenant, quand je vois cette image, je vois autre chose. Je remarque dans la posture et l'expression de cet homme qu'il semble sûr de lui. Ça veut dire qu'il a confiance en lui. Il a de l'assurance. Donc en français, on dit « être sûr de soi ». Et c'est un peu difficile parce que vous devez le conjuguer. « Je suis sûr de moi », par exemple. « Tu es sûr de toi ». « Il est sûr de lui », « Elle est sûre d'elle », etc. En effet, quand quelqu'un est super confiant et montre de la confiance en ses propres capacités ou en son caractère, on peut utiliser cette expression. L'homme de la photo a l'air sûr de lui, confiant. Il a l'air de pouvoir conquérir le monde. Alors, attention, cela peut être un compliment, mais cela peut aussi être utilisé pour critiquer quelqu'un, dans une dispute, par exemple, en disant « tu es trop sûr de toi ». Logique ? Bien, vous avez compris, nous avons « fiable », « exubérant », « réservé », « à la vie, à la mort » et 5 « être sûr de soi ». Et maintenant, vous savez quoi ? C'est l'heure de l'examen, du quiz. Je veux voir si vous avez retenu notre leçon jusqu'à présent. Commençons donc par la question numéro 1. Voici. L'entretien a révélé qu'il était un homme très compétent et vous devez remplir les espaces avec les mots que nous avons appris aujourd'hui. Donc, la réponse c'est sûr de lui. Bien, il faut pratiquer. Passons à la question suivante. Pierre sent qu'il peut compter sur cette personne. Il sent que c'est une personne fiable. Bien, question numéro 3. Mon ami est calme et, vous avez trouvé, réservé. Bien, numéro 4. Sa joie était intense, abondante et même exubérante au féminin. Excellent. Cinquième question du quiz. Notre amitié est indestructible. Entre nous, c'est à la vie, à la mort. Ok, juste une question supplémentaire pour la route. Il a besoin de quelqu'un de pour s'occuper des enfants pendant qu'il travaille. La réponse est quelqu'un de fiable. Parfait. Vous avez appris les mots. Vous avez répondu aux questions du quiz. Maintenant, je veux vous donner rapidement quelques phrases modèles que vous pouvez utiliser pour pratiquer, car c'est très important d'utiliser de manière active le vocabulaire pour le mémoriser. Voici la phrase modèle pour créer votre propre phrase avec le mot « fiable ». « Non » est la personne la plus fiable de mon entourage parce que raison. Je vais utiliser le modèle pour vous donner un exemple. Vincent est la personne la plus fiable de mon entourage parce qu'il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Ok, je vais écrire tous ces modèles de phrases dans la description de la vidéo pour que vous puissiez pratiquer votre expression avec. La prochaine phrase modèle est avec le mot exubérant. Cette personne est exubérante plus la critique d'une action connectée à cette exubérance. Rappelez-vous qu'en français, ce mot exubérant a une connotation souvent négative, plus qu'en anglais. Par exemple, cet homme est exubérant, il a monopolisé la parole pendant toute la soirée. Ok, donc en utilisant le modèle, vous êtes capable de faire une phrase correctement en français parfait et d'utiliser ce mot. Très bien. Et maintenant, concernant le mot réservé,
Voici la phrase modèle. La personne était très réservée, donc la personne plus action connectée à être réservée. Je pourrais dire par exemple, son frère était très réservé, donc il a parlé à une seule personne pendant tout l'événement. Bien, maintenant, qu'en est-il de l'expression à la vie, à la mort ? J'aime beaucoup celle-là et voici le modèle. Entre personne et moi, c'est à la vie, à la mort. Par exemple, entre Vincent et moi, c'est à la vie, à la mort. Et enfin, la dernière phrase modèle concerne être sûr de soi. Vous pouvez créer une phrase en disant une personne sûre d'elle, généralement, plus une action liée à être sûr de soi. Voilà mon exemple. Une personne sûre d'elle, normalement, parle facilement devant un groupe de gens. Voilà, j'ai donc utilisé ces modèles et fait des phrases en français parfaites et vous pouvez faire la même chose pour vous entraîner à parler comme un francophone de naissance. Ok, maintenant, je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui utilise tous ces mots car cela représente une bonne pratique pour améliorer la compréhension orale. C'est parti ! Alors, l'histoire concerne mon meilleur ami. Entre nous, c'est à la vie, à la mort. Mais je dois faire attention à ne pas dire les noms des personnes dans cette histoire, car c'est un peu sensible, juste au cas où ils regardent cette vidéo plus tard. Cet incident remonte à quand j'étais à l'université. J'étais sorti avec une fille la première année, mais nous n'étions plus ensemble au moment de l'incident de cette histoire. Quand un jour, mon meilleur ami et moi sommes allés à un événement organisé par une autre amie. Et en fait, mon ex était aussi présente. Mon ami et moi, nous sommes assis sur une table pour boire un verre et discuter, quand cette fille, avec une attitude ponctuellement exubérante, s'est assise en face de nous. Juste pour information, notre séparation n'avait pas été brutale, mais la situation était quand même un peu embarrassante entre nous. Elle s'est assise avec de mauvaises intentions et a commencé à parler et rire de manière exubérante. Elle me regardait beaucoup et me parlait, j'étais vraiment pas à l'aise, et elle jouait de la situation. Mais moi, dans ma tête, je pensais, pourquoi est-ce qu'on parle ? On n'est plus ensemble, en plus elle est avec quelqu'un d'autre, et j'étais un peu confus. Pourquoi elle est venue s'asseoir ici et générer ce moment bizarre ? Voilà les idées qui traversaient ma tête. Et mon meilleur ami, assis à côté de moi, calme, c'est une personne très réservée, a senti mon malaise. Il pouvait sentir que vraiment j'aurais voulu m'échapper de cette conversation, fuir. Donc, il a pris la parole au moment d'un silence embarrassant et il a dit à cette fille « Pourquoi es-tu encore assise ici ? Si tu as fini de parler, tu peux t'en aller ?» Alors, ces phrases peuvent sembler un peu méchantes et menaçantes, mais vraiment, on pouvait voir que les intentions de cette fille étaient mauvaises, et donc, en quelque sorte, c'était mérité. Et mon ami, normalement extrêmement réservé, a dit ça. Surpris, je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé la fille, puis elle m'a regardé, j'ai juste haussé les épaules parce que je savais vraiment pas quoi dire, et elle est partie. Et franchement, c'était un soulagement. Cette histoire est arrivée il y a longtemps, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon meilleur ami était peut-être réservé, mais que quand il avait besoin de parler, il savait le faire. Et je n'oublierai jamais ce moment parce que mon ami a en fait pris la parole pour me défendre en étant sûr de lui. Alors, ce jour-là, j'ai appris à quel point mon ami était fiable et que notre relation serait à la vie, à la mort. Bravo pour cette leçon et pratique de français. Continue à progresser.